Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'emplacement de Wolverine qui est juste là, voilà. Et en fait, franchement, ça fait bien la 6ème, 7ème partie que je fais. Et j'allais toujours de ce côté-là, mais je le trouvais jamais. Franchement, je le trouvais jamais. Et là, je viens de faire une partie et j'ai été par ici. Voilà. Je vais vous montrer sur la map exactement. Voilà, juste ici. Et regardez qui je viens de trouver. Tout silencieusement dans son bois. De toute façon, vous ne pouvez le trouver que ici. Hein. Et ben, c'est Wolverine, mon pote. Alors, on va tester ses pouvoirs. Il a blindé de vie, hein. 500 vies. Oh putain. En plus j'ai qu'un sniper. Oh my god. Oh my god. Oh putain. Oh putain de Samy. Oh non non non. Non. J'ai trop galéré à te trouver mon gars. Je vais te défoncer. Oh il est en train de récupérer de la vie. Non. Il récupère de la vie et tout. Attends, attends, attends. Repoule. Ok, j'ai enfin retrouvé Wolverine. Donc cette fois-ci, je l'ai trouvé tout à gauche. Peut-être en pleine nuit, il apparaît tout à gauche et à droite la journée, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est une galère de malade pour le trouver. Donc là, je vais essayer de... Pam file. Je vais essayer de niquer sa race. Parce qu'en plus, je crois qu'il peut se régénérer. Gros, gros, c'est quoi ce truc de malade? C'est quoi ce truc de fou? Regardez, regardez, il se régénère, hein. Flash pas, hein. Oh, 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 non. T'es sérieux, frère? Non. Il se régénérait tout même quand il est par terre. Oh putain, mais c'est un truc de malade, hein, gros. C'est un truc de fou. Bon, on repull up une troisième fois, mon frère. Oh là là. Ok, c'est bon. J'ai trouvé le Wolverine. Alors, cette fois-ci, je l'ai trouvé là. Mais mon poteau Johnny m'a dit qu'on pouvait le trouver dans Slurpy Swamp. Donc, genre, il l'avait trouvé sur le pont ici de Slurpy à Weeping Woods. Donc, à mon avis, il peut spawn dans tout Slurpy et dans tout Weeping Woods. Et c'est pour ça que je mets 10 parties avant de le trouver. C'est pour ça qu'il est super, super chaud à trouver. Mais maintenant que je sais qu'il peut être à Weeping et à Slurpy, bah, je pense que ça serait plus facile à trouver. Alors là, j'ai pas envie de me louper, donc let's go. On va essayer de bien l'enchaîner dès le début. Ok, ok. Oh. Je l'ai tellement enchaîné, frère. Vas-y, là, il faut que je le finisse assez rapidement. Voilà. Parce que si vous le finissez pas, il se réanime, ce petit enfoiré. Enfin, enfin. Maintenant, je vais pouvoir tester ça. Tester les griffes. Ok, j'ai quand même du temps à casser un mur. Hein. Bon, ouais, c'est pour pas le rendre trop cheaté à mon avis. On va essayer de le tester contre un ennemi. Alors déjà, pour les attaques, quand vous faites X et que vous appuyez sur R2, bah, il fait une tornade. Quand vous appuyez deux fois sur X, il rush comme ça, il fonce. Donc c'est bien pour se déplacer. Après, il y a un petit temps de recharge apparemment. Regardez, voilà. Quand vous faites des attaques normales, ben voilà, ça fait un combo et puis... Boom, voilà. Et je pense que c'est tout. Hein. Je me demande si je peux éviter des dégâts de chute. On va essayer de sauter. Attends, on va essayer de monter, prendre de la hauteur. Alors si je fais ça. Ok, j'ai pas eu de dégâts de chute. Donc en appuyant sur R2, ben, je pense que si vous sautez de super super haut, c'est sûr vous allez avoir des dégâts de chute. Mais une certaine distance. Et là, ah ouais, donc là je pourrais sauter de super super haut. Attendez, je vais essayer. Voilà, je saute de super haut. Et en fait, faut que j'appuie sur X au bon moment, quoi. Genre, maintenant. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut éviter des dégâts de chute, c'est cool. Bon, maintenant, cherchons un ennemi. Et j'ai l'impression aussi que je vais plus vite. Regardez quand je cours. Si je prends une arme. Ah ouais, mais carrément. Je vais deux fois plus vite avec les griffes de Wolverine. Donc ça, c'est stylé. Ah ouais, et carrément, regardez. Je peux carrément faire des esquives. Avec L2, hop, boum. Ça, c'est stylé aussi. Regardez-moi ça.
Je me réanime carrément, mes points d'HP, ils se réaniment tout seuls. C'est abusé, mon pote. Franchement, ce pouvoir, il est trop cheaté, gros. Genre, je prends des dégâts et tout, et ça me réanime. Ah, et ça se tombe, ça te réanime quand t'as plusieurs. Regardez, 71, 73. Putain, c'est trop cheaté. Ça veut dire que même dans la zone, je peux résister. Et imaginez, vous êtes en duo et que ben, je tombe par terre. Ça se tombe, je peux me réanimer tout seul. Oh, ce serait trop. Je peux pas essayer dans cette partie, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne. Alors par contre, dans cette partie, il n'y a aucun ennemi. Génial, lol. Bon, je vais essayer de faire un truc, mais je pense que je devrais pas parce qu'en fait, je vais me faire défoncer, je crois bien. Mais bon, on va tester. On va tester ça contre les acolytes. Oh là là, oh, elle me défonce. Elle me défonce, ces enfants. Attendez, ils sont trop forts. Ils sont vraiment beaucoup trop forts là. Je pense que c'est pas une bonne idée d'y aller au corps à corps avec eux. Pas du tout. Hein. Et pour que votre vie se réanime, il faut absolument que vous équipiez des griffes de Wolverine, sinon ça fonctionne pas. Vas-y, on va essayer. Non. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud les acolytes, ils sont trop balèzes. Mais à mon avis, contre les ennemis, ça devrait faire pareil aussi. Hein. Je pense qu'ils sont pas super cheatés non plus. Attends, il va pas me défoncer quand même. Oh, ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal. Attention. Parce que... Ah, il m'a niqué. Bah, c'est pas grave. Au moins, je vous aurais présenté toutes les fonctionnalités de son pouvoir. J'ai pas pu vous le montrer contre un joueur, mais c'est pas grave. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace.